Shalom Alechem, Shalom Ubracha, Shana Tova Ubduka, Shana Tova Ubvorechet. Je voudrais aujourd'hui partager avec vous un chidouche inspiré de notre grand maître, Rabbi Shlomo Volbe, Alav Shalom, tiré du livre Ma'amare Yemei Haratzon. Rav Volbe fait un constat assez étonnant. Dans le psaume 96 et 98, que nous lisons tous les vendredis soirs, Shirou Lachem Shir Hadash et Mizmor Shirou Lachem Shir Hadash, David HaMelech nous parle de la Simcha du monde. Les éléments de la création sont en Simcha. À quel moment, nous allons lire un de ces versets, Neharot Yimcha Uchaf, littéralement les fleuves tapent des mains. Yachad Harim Yiranenu. Les montagnes se réunissent ensemble. Yachad Harim Yiranenu. Chanteront. Elles sont dans la rima, la simcha. Lifne Hashem, devant Dieu qui bat l'Ishpot Haaretz, lorsqu'un Kadosh Baruch Hu vient juger la terre. Ou alors au psaume 96, les cieux, la terre, les océans se réjouissent. Yaloz sadai vechol asherbo aziranu kol atzayar. Les champs et les forêts sont joyeuses. Lifne Hashem, devant Dieu, qui va, l'ishpot haaretz, lorsque Hashem vient juger la terre. Ishpot tevel betzedek ve'amim be'emunato. Il y a quelque chose d'étonnant. Le Mishpat est une des caractéristiques d'Akadosh Baruch Hu. Dieu juge le monde. Melech ohev tzedaka u Mishpat. Et dans la période des 10 jours qui vont de Rosh Hashanah à Kippour, nous disons Hamelech Hamishpat. Rosh Hashanah est le jour du jugement, comme c'est écrit longuement dans les prières de Rosh Hashanah et dans les textes talmudiques et midrashiques. Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Mishpat. Shofet kol haaretz. David HaMelech nous dit, lorsque Dieu juge le monde, eh bien le monde, l'univers, est en mode simcha, joyeux. Incroyable, avec tous ces verbes, Yaloz, Ismechou, il y a la simcha, la gila, la aliza, la rina, tous ces niveaux de simcha, à expliquer bien évidemment, tous ces verbes dessinant la simcha de la planète, de l'univers. Mais comment le Mishpat, le jugement divin, peut-il entraîner la simcha? Quel rapport y a-t-il entre Mishpat et simcha? D'autant plus que nous savons qu'à Rosh Hashanah, qui est Yom Hadin, qui est Mishpat, il y a une certaine angoisse, si on peut ainsi dire, même si elle est accompagnée d'une espérance d'être inscrit dans le livre de la vie et du meilleur, mais il y a cette appréhension du jugement. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu va-t-il décider pour moi, pour ma femme, pour mes enfants, pour ma famille, pour ma communauté, pour tout le clan Israël et pour le monde entier en ce jour de Rosh Hashanah? Au point qu'à Rosh Hashanah, puisque c'est Yom Hadin, on ne récite pas le Hallel. Alors, d'un côté, et puis comme dit Rabbi Israël Salanter, au moment où le shofar retentit et résonne, on est tous sous nos talitot, dans un silence extraordinaire où nous nous tenons en réel danger, nous dit Rabbi Israël Salanter. Comment tout ceci est synonyme de simcha? Qu'est-ce que ça veut dire? La simcha, c'est un travail immense, vital et majeur. Mais quel rapport entre la simcha et le mishpat?
Le tour rapporte qu'à Rosh Hashanah, on est dans la Simra parce qu'on est sûr que Hachem va nous faire un miracle et va nous inscrire dans le livre de la vie. À Rosh Hashanah, on ne parle pas de fautes, on se repentit pas de nos fautes, mais nous sommes jugés. À Rosh Hashanah, on est jugés. Voilà. Comment David Abelert nous parle de la Simra de la planète. Cette question qui est soulevée par de nombreux Mefarshim, je citerai, avant de voir ce que nous dit Rav Olbe, ce que dit Rav Shach à la Vachalom. Il développe, c'est rapporté dans les livres Marchevet Boussard, que, en vérité, il n'y a que les fous, il n'y a que les gens insensés qui n'aiment pas la loi et la justice. Tout homme aime la justice et la loi. Ceci met des règles et structures la société, la famille, la communauté. On a besoin de la justice, sinon c'est l'anarchie, c'est la jungle. Il n'y a rien de plus rassurant, nous disent les pédagogues, pour un enfant, que de vivre sous un toit où il y a des règles. À la maison, on ne fait pas n'importe quoi. C'est rassurant, c'est structurant. Rav Shach nous dit même que la justice divine est d'une pure logique. On n'imaginerait pas une société, un cercle quelconque, sans loi et sans justice. Au point d'ailleurs que ceci s'inscrit dans les sept lois noahrit, qu'on appelle dinim. Les non-juifs ont le devoir, selon la Torah, d'établir des tribunaux qui, eux, vont établir des lois et une justice. On ne peut pas vivre dans un monde sans justice, sans loi, sans structure. C'est rassurant. C'est un repère psychologique, mental, émotionnel, etc. Mais où se trouve la Simra dans tout cela? Et Rav Olbe dit quelque chose d'extraordinaire que je me fais un plaisir de partager avec ceux qui nous écouteront. Si nous voyons bien dans les versets que nous avons lus, et d'autres encore, il en cite d'autres, qu'il n'est pas dit dans ces versets que la planète et l'univers se réjouissent lorsque Dieu juge le monde, mais que l'univers se réjouit lorsque Dieu vient qui bat l'Ishpotaretz. Le qui bat, lorsqu'il vient pour juger, c'est cet exercice divin, si on peut ainsi dire, qui nous réjouit, le qui bat. Dieu vient, il s'intéresse à nous. Il se rapproche de nous, certes, pour nous juger, nous structurer, nous remettre en place, nous donner son meilleur et nous offrir ses cascades de cadeaux et de bonté et de bénédiction. Mais c'est le Kiba. Kiba, c'est-à-dire Dieu vient. Et lorsque Dieu vient, il se rapproche de nous. Et lorsqu'il nous offre ce rapprochement, eh bien, on ne peut être qu'heureux. Il y a d'ailleurs, je rajoute, il y a ici un chiour, j'ai pris un point de Rav Olbe. En simcha ke simcha ze she boro mitkarev elav. Il n'y a pas plus grande joie que de voir que Dieu se rapproche de nous. C'est intéressant, toute l'année nous cherchons Dieu. Et il est là à Rosh Hashanah. Il faut arriver à l'heure. Il faut suivre les coutumes de la pomme dans le miel et du seder de Rosh Hashanah. Il faut prier avec Allah. Il faut faire tout ce qu'il y a à faire. Shabbat, on commence cette année d'une façon extraordinaire avec le Shabbat et le deuxième jour avec Rosh Hashanah et le Shofar. Il faut suivre l'ordre des choses. Mais tout ceci se fait dans cette proximité de Dieu envers les hommes, de Dieu envers l'univers. Ça, c'est une simra extraordinaire. Toute l'année, nous cherchons Dieu et là, à Rosh Hashanah, à Kadosh Baruch Hu, il est Karov. Il vient et il se rapproche de nous. Ceci délivre une simra sans égale. Faites-le dans le Shalom Bayit, lorsque les conjoints sont éloignés,
c'est triste, mais lorsqu'il se rapproche, si ma femme se rapproche de moi, si mon mari se rapproche de moi, je suis heureux et heureuse. C'est extraordinaire comme idée à développer davantage la simcha du Mishpat, la simcha de Rosh Hashanah, Shana Tova, dans la joie, le bonheur et des cascades abondantes de bénédictions pour nous et pour tout Israël.